Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour Michel. Michel, et vous êtes monsieur ? Gérard Carra. Gérard, et vous êtes trésorier. Vous êtes spécialiste. Aujourd'hui, nous allons assister à une compétition de joute, c'est ça ? Oui, c'est une compétition amicale où c'est que deux jouteurs sur chaque bateau vont s'affronter. D'accord. Il faut qu'il y en ait un qui reste sur le bateau. Les règles, bon, Michel, j'ai oublié de préciser, tu es le président de l'association Bandol et Pointu, Bandol et Tradition, c'est ça ? Pointu les gens de Tradition. Les gens des traditions, voilà. Oui, et c'est toi qui organises donc cette manifestation ? Depuis la création de cette association il y a 3 ans, on a ramené les joutes à Bandol qui est absent depuis plus d'un demi-siècle. Donc c'est la 3e année qu'a lieu ces joutes et qui est très populaire et on en est très fiers d'organiser ça donc 2 fois d'accord. Dans la saison d'été. Et donc vous monsieur vous êtes le spécialiste donc de ces joutes là. Disons que un petit peu en deux mots oui spécialiste, ça fait 33 ans que je pratique ce sport. Ouais, vous connaissez un peu quand même. Voilà, je suis arbitre fédéral également à la Fédération française de joutes. Ah d'accord. Et je suis donc trésorier adjoint des Targa et Sanarien. D'accord. Donc le but de la compétition, c'est déjà tout, on peut appeler ça des chevaliers des mers, comme à l'époque, puisque la joute se faisait à cheval. Aujourd'hui, ça se fait sur la mer. Donc, à l'origine, c'était à cheval, d'accord. Oui, au temps des... Les seigneurs, voilà, ça se faisait à cheval. Okay. Donc là, chaque jouteur est sur un bateau bleu et bateau rouge. Donc chaque jouteur est muni d'un plastron. Un plastron, c'est pour accuser le coup. Parce que tous les jouteurs ont une lance avec un manchon dentelé ferré au bout, donc qui permet d'accrocher le coup sur ce plastron qui est en bois. S'il n'y avait pas de plastron, on se percerait. Il y a des accidents qui peuvent arriver. Il y a des accidents qui arrivent également. D'accord. Et au niveau du déroulement, ça se passe en plusieurs phases. C'est élimination directe. Ça se passe comment ? Alors quand vous faites un tournoi officiel, là aujourd'hui ça va être une exhibition. On va essayer de garder quand même les règles des tournois officiels. Quand vous faites un tournoi officiel, c'est-à-dire que la personne qui gagne doit rester sur le plateau de 50 cm en haut. Il ne doit ni passer devant, ni tomber à l'eau et envoyer son adversaire à la mer de façon réglementée. Donc, et alors, quand il est resté là-haut Il est qualifié pour le second tour. Donc, il reste là-haut. Il y en a un autre qui arrive sur le bateau, l'autre bateau. Lui, il descend. Après, il y a une autre confrontation entre deux autres jouteurs. D'accord. C'est-à-dire qu'on peut être une 60, 90, 100, 120. D'accord. Sur les 120 jouteurs, il y en a 60 de qualifiés. Il y a un deuxième tour avec les 60 et on refait un tirage au sort jusqu'à la finale Et aujourd'hui, on en a combien de jouteurs ? Aujourd'hui, il doit y en avoir une trentaine. Il y en a avoir. D'accord. Ce sont tous des gens d'ici ? Il y a des gens d'ici, de l'Estac de Marseille et de Saint-Mandrier. Et des bandolés. Est-ce qu'il y a des bandolés ? Alors, il y a un ancien bandolé qui s'appelle Max Muller qui ne joute plus aujourd'hui. Oui. Et avec M. Gilopé, on met tout en œuvre pour qu'il y ait des bandolés qui viennent rejoindre ça le club. Fera. Je pense que ça se fera. D'accord. On a envie que des jeunes bandolés se joignent aux jouteurs de Sanary pour jouter. Parce qu'ils en ont envie, donc on va le faire. D'accord, mais c'est quand même assez particulier comme sport. Là. Il faut être costaud. Les gars, ils sont... Ça n'a rien à voir avec... Si on peut être costaud, mais je veux dire, il y a une technique. On peut être très d'accord. maigre et être champion de France. Il y a quand même un championnat de France. Il y a une Coupe de France. D'accord. Et c'est qui le champion de France en ce moment ? Pour l'instant, ce n'est pas défini encore parce qu'on est en phase éliminatoire. Donc, d'accord. Pour l'instant, on est en phase qualificative. Donc d'accord. On est en train de se qualifier pour essayer de... Le championnat de France se fait sur 3 étapes, quart de finale. Demi-finale et finale. La finale se déroulera à Théoule-sur-Mer le 31 août. Et on aura à Bandol très bientôt, je pense dans les années qui suivent, une manche du championnat de France. Ah ben c'est oui, c'est quelque chose à organiser ça. C'est tout prévu. À fait. D'accord. C'est prévu, oui. Ben écoutez, je vous remercie beaucoup. Je crois que la compétition, là, c'est à 18h. Oui. 18h, 18h15, oui. D'accord, mais je vais passer tout à l'heure faire une petite. Je vous remercie. C'est moi, monsieur. Et puis bonne compétition. Alors merci beaucoup. Qu'est-ce que je voulais vous dire sur ces joutes ? Donc ces joutes organisées par l'association des Pointus de Bandol, avec aussi notre municipalité de Bandol. D'ailleurs, notre maire va venir nous rejoindre pour vous dire un petit mot. Et puis tous ceux qui nous aident, entre autres ces petits sponsors de près ou de loin. Et je voulais remercier entre autres la SMC, la Société Marseillaise de Crédit, qui nous aide tout le long de l'année pour nos événements aussi. Ça nous fait extrêmement plaisir. Et Anne Chailloux, la directrice de cette banque de Bandol, est là. Ça nous fait beaucoup plaisir. Et puis je salue aussi Maurice Calmel, donc de Bandol autrefois, qui est tout à fait très proche de nous dans tout ce que nous faisons, car nous sommes une association culturelle avant tout, les Pointus de Bandol. Et voilà, donc je vous disais que vous aurez aussi les joutes le 11 août, qui est prévu, donc à la même heure. Et puis le 15 août, c'est la fête de l'Assomption de la Vierge, donc un événement à ne pas manquer. Soyez là avec nous,
On embarquera aussi du monde. Il y aura la navette de Bain d'Or qui sera gratuite ce jour-là pour vous emmener sur l'île de Bain d'Or. Il y a une procession qui est très belle, ne la ratez pas. C'est donc le 15 août à partir de 20h sur le parvis de l'église. Et ensuite pour nous, eh bien, ça se finalise avec un événement qui est au top aussi à ne pas rater. Il fait partie de l'événement leader d'Association des Pointus, c'est les Latines de Bain d'Or. Donc c'est le 11 septembre sur l'île de Bain d'Or, sur un jour. C'est à découvrir, c'est à voir. C'est un événement qui est magnifique, où on attend plus de 80 bateaux dans ce petit port de Bain d'Or, qui est réservé ce jour-là strictement aux embarcations en bois et aux pointus. Voilà, je vais laisser la parole à notre maire, le docteur Christian Balix. Et puis les joutes, eh bien, vont démarrer tout de suite. Et il y aura à peu près 2 heures de joutes. Merci aussi aux jouteurs, hein, je le signale à vous tous. Ce soir, on accueille les jouteurs de Saint-Marie avec leur embarcation, qui accueille aussi les jouteurs de Saint-Mandrier, de l'Estac, de la Ciotat peut-être, je ne sais pas. Mais enfin, ils sont tous là et ils m'ont promis de vous faire un magnifique spectacle de ce sport antique, les joutes provençales. Merci à vous. Voilà, bravo président. La municipalité avec le président et cette association extraordinaire sont heureux de vous accueillir pour un des nombreux spectacles de l'association des Pointus dans ce cadre exceptionnel, magnifiquement géré par son président et toute l'équipe, bien évidemment. Et je vous souhaite donc des heures magnifiques et surtout, je pense que ce n'est qu'un début exceptionnel parce que je crois que le président vous paye le feu d'artifice ce soir. Donc restez là, vous aurez encore un magnifique feu d'artifice avec la musique. Et je crois que quand on regarde un feu d'artifice avec l'association des Pointus et ici, on ne peut pas rêver mieux, c'est le plus beau port de la Méditerranée. Voilà, merci. Ces couleurs rouge et bleu. Voilà. Merci Monsieur Jouzé de nous rafraîchir la mémoire. C'est très important. Voilà. Dans un premier temps, vous allez voir ces deux personnes n'ont jamais jouté. Ils se sont affrontés, ils vont se défier ce soir. Voilà, on espère qu'ils vont faire honneur. Bateau rouge, Mazella, Jérémy, Saint-Marie et Célie Honorati, Saint-Mandrier. Un des deux frères, je sais pas c'est lequel, mais moi je suis pas bien. Monsieur le chef, c'est lequel les mini? Dans le cadet, c'est passé. Non, mais c'est lequel les mini? Maria Dolores, comment tu te sens? Ça va? C'est pas trop haut. Bateau, on a la main droite une lance avec un manchon dentelé ferré, donc qu'ils doivent brandir d'une main. À la main gauche, ils ont un témoin, ce petit cube rouge et bleu que vous voyez, c'est pour éviter d'attraper la lance de son adversaire. Et sur leur torse, ils ont un plastron, c'est pour amortir les chocs et pour pas se blesser. Voilà, donc le but de la compétition, c'est d'envoyer son homme à la mer par l'arrière, bien entendu, et de rester sur ce plateau de 50 cm sec jusqu'au bout du tournoi pour gagner. Voilà, tout au long de la joute, je le répéterai. Et j'espère que vous serez nombreux à les applaudir et j'espère que le spectacle sera beau. Où est-ce qu'il va s'approcher?
impeccable. Alors je demande à tous les joueurs de venir écouter quand vous tombez pour la derrière, tombez un petit peu devant ici de le... Allez, on y va les petits. Bateau bleu Benkanouche Ryan, bateau bleu, bateau rouge Oran, tous les deux de l'Estac. Bateau bleu Benkanouche, bateau rouge Oran. Oh, bravo les petits. Bravo, monsieur Benkanouche. Bateau rouge Oran. Bravo. Aïssa Rachid, Benkanouche et Aïssa Youssef.
Bravo messieurs, on peut les applaudir. Bateau rouge, bateau rouge, Benjamin. Finale du tour minime. Et bravo monsieur Benjamin, bateau rouge, vainqueur du tour minime. Bateau bleu, Aïssa Rachid Estat, bateau rouge, Bagella, Jérémy Salary. Je suis Bagella. Sur le bateau pour essayer de se qualifier pour ce grand championnat. Bateau bleu, bel canouche, bateau rouge, c'est Léonora. Bravo monsieur bel canouche, qualifié pour le suivant. Aïssa, le stade bateau bleu. Bravo monsieur. Et on va assister à cette finale. Parce que nous sommes les joueurs qui sont venus avec une grande matérielle. On peut les applaudir, ces deux jeunes. Bravo Jérémy et bravo monsieur Betcanouche. Allez, c'est parti pour le tournoi senior.